Allez, bonjour à tous, c'est Asgard, bienvenue sur Twitch et sur YouTube pour ce nouvel épisode de The Council, le quatrième de l'épisode 3. On a donc trouvé une croix de Clément III, l'exégèse de Judas, une sphère armillaire. Alors, je vais quand même aller voir, bah oui, en tant que prof de français, quand même. Voilà, donc une sphère armillaire, c'est un instrument qui modélise la sphère céleste. Voilà, elle est utilisée pour montrer le mouvement apparent des étoiles, c'est la source, c'est Wikipédia, bah voilà, au moins c'est fait. Et donc on va devoir aller tout simplement eh bien, chercher tout ça pour. Alors, une drôle d'histoire, quand même, une drôle d'histoire de démons. Je pense qu'il n'y a pas, il y a pas à dire. Bref, on va donc essayer de trouver cette sphère, ainsi que les clous, et ainsi donc la Bible pour trouver donc cette sphère armillaire. Enfin, pour donc pouvoir entrer ici, visiblement, si on regarde bien, avec ici on voit le Golgotha, Jérusalem. Jordanie, Abu Koch, je sais pas ce que c'est. On va demander Tell me, mother, you wouldn't know anything that might save me some time, would you? That's where you'll have to put the Clement the Third cross. You insert the cross into the slot, and it will open the iris. Let's see if I can work it out myself. It looks like a kind of control panel. There's a cross-shaped slot there. I'd say you've got to place a Clement the Third cross in it. Ouais, je pense que. Looks like certain mechanisms I've seen before. I wouldn't be surprised if I had to put the Clement the Third cross in it. Ok. You ought to go, Louis. If someone finds us here, the situation might well become seriously complicated. Ok. Alors, ce qui est assez étonnant dans cette histoire de démon, là, voilà, c'est que le démon aurait mis chez lui, ce qui lui permettrait de. Aurait enfoui chez lui le moyen de le tuer, enfin c'est compliqué. What on earth is that? A disc with information engraved in the metal? An iris that should open, I imagine, and blood. À mon avis, le sang, c'est ma mère qui a dû essayer de l'ouvrir. Mother, the dried blood, there. Yes, yes, it's mine. Sorry if I stained everything. But I must admit that, at the time, my thoughts were more on the pain than cleaning up after myself. There are Roman numerals, Arab numbers, and town names. Go on. I'm listening. What do you think? Alors, le nom des villes, c'est des. C'est en rapport avec la Bible. Je vais utiliser une compétence gratuitement. All the town names mentioned have something to do with Christ. Haven't they? Golgotha, Bethlehem, Nazareth. Exactly. Tell me, I imagine that once we've solved this enigma, the iris opens, right? Exactly. On each engraved piece of information, there's a hole. Those are for the nails, right? That's absolutely right. How many nails are needed again? Three. One nail per type of information, I'm guessing. In other words? Well, a nail must be placed on each Roman numeral. One nail on an Arabic numeral, and one nail on a town. Well done, Louis. Bon, ben voilà. Did you succeed in opening this iris? Yes, by putting the cross on the console and the three nails on the disc, the iris opens. It gives access to a hole where I put my hand, thinking I could fully open the iris. There's a handle at the bottom, and as you can see, it didn't turn out very well for me. Effectivement. Ça va être compliqué. Bon, allez. Alors. Il faut chercher plusieurs choses dans la crypte.
qu'on peut trouver dans la clip, c'est la croix, qui a dû tomber de sa poche, visiblement. C'est du moins ce qui était annoncé. On va y chercher, hein. Fais bien le tour de tout. Pièce de collection. Ah, voilà la croix. Famous cross of Clément III. Perfect. And one key found. Je peux déjà aller la mettre? You ought to go, Louis. If someone finds us here, the situation might well become seriously complicated. Alors, les clous cachés dans son bureau. Le bureau secret de Mortimer. Ouais, on mettra ça après. Allons-y. Évidemment. On ne doit pas passer inaperçu ici. Mélisse, ça c'est bien pour les compétences gratuites. On va d'abord repasser par la salle, par le salon avec la sphère là. C'est ici, je pense. Ouais. L'exégèse. Moi, il y a une sphère ici, mais on aimerait bien en avoir une plus grande. Right. It's definitely an armillary sphere, but I have to find one that I can take with me. Otherwise, I risk drawing too much attention to my comings and goings. Now, where can I find a smaller one? Ouais, c'est une bonne question. Right. Let's see if the statues are in place yet. Je me rappelle plus du tout. Devil's thorn. I'll keep it. Alors, ouais. C'est plus du tout comment ça fonctionnait. That statue is not positioned correctly. Ok. Je m'en souvenais plus du tout. Je l'ai fait au hasard et c'est sorti tout de suite. Donc ici, je devrais trouver, si je suis logique, l'exégèse de Judas. So that's Pandora's box? An urn? Mother seemed worried that I was able to open it. Hmm. I wonder why. So that's the exegesis of Judas. I hope Mortimer doesn't read it very often, otherwise he's going to notice that someone's stolen it. But that's just too bad. I need it. Ok, ça c'est fait. Alors par hasard ici il n'aurait pas une sphère. Caesar's laurel wreath. Mortimer really is what my mother says he is. It could mean... No, that's impossible. No, no, not Caesar. Hmm.
Peut-être dans le bureau de Mortimer. Hein. Ouais, je vois pas de sphère ici. Right. I've got what I need. And let's not waste any more time. La Bible de Gutenberg. Ah oui, il disait qu'Emma dans la salle de la tour. Je sais même plus où est-ce que c'est ça. Ok, caché dans son bureau. Alors on va aller voir le bureau de Mortimer. Je jette un coup d'œil à chaque fois aux salles. Voir s'il n'y aurait pas une sphère un peu plus petite. Apparemment non. Amber crystals. Il n'y a rien d'important dans ces coffres, hein. C'est à chaque fois des petites choses. Ici c'est la salle du conseil. Ah, je peux y aller. Alors peut-être ici y a-t-il la sphère? Pouvoir aller ici, je vais juste voir si je joue pas une sphère. A chest with a motif representing the alchemical symbol. Je pense que l'eau, je l'avais déjà. Ok, de la gelée royale. Elle m'a rajouté. Pas mal de choses ici, c'est pas mal ça. Ok, j'ai plein d'efforts supplémentaires, ça c'est cool. Par contre, ouais, toujours pas de sphère ici. Sauf peut-être par là, mais on peut me laisser sortir ici? Non, ça j'ai déjà été ici. Et de l'autre côté. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver? Ah, le salon. Ça fait un petit temps que j'ai plus été au salon. Parler au duc, hein. Not too shocked. I beg your pardon. About ah non, c'est Napoléon, pardon. I asked you if you weren't too shocked by it all. Alors Napoléon, il est immunisé. Je vais faire diversion. And yourself? Not too shook up. The only thing that matters to me about that stupid man Peru is the disastrous situation in which it put us for the conference vote. I wonder why Mortimer even allowed him to roam around the manor armed. He was a veritable public danger. Indeed. You don't seem to be too affected. Tell me. I was wondering.
Là, il pourrait avoir pour la sphère, tiens. You wouldn't know where to find an armillary sphere, would you? Do you really think this is the right time? Oh, ask Volner. Ouais, je pense aller voir Volner. Salut Kensei. Ouais, c'est clair. C'est Napoléon en même temps. Leave me now. I need to think of a solution. Ok. I won't keep you any longer. See you later, monsieur. Ok. Bon, allez, de toute façon, on doit aller dans le bureau de Mortimer. C'est assez bien foutu, hein. C'est vrai que c'est cet accent qu'on retrouve à chaque fois. Quoique je pourrais voir aller voir la chambre du Prussien, là. J'essaie d'aller trouver Wallner. C'est vrai qu'il est fan d'astronomie. Et que lui saura peut-être me renseigner pour voir où je peux trouver une sphère armillaire. Je pense que sa chambre, c'est celle-là. Oui, c'est un jeu d'enquête, The Council. Alors, c'est très compliqué parce que je suis dans l'épisode 3. Ils vont sortir 5 épisodes dans ce jeu-là. Tu te retrouves fin du 18e dans une histoire à chercher ta mère sur une île. Elle fait partie d'une société secrète avec les grands noms de l'époque. On est à Napoléon, il y a George Washington. Qui représente les grandes puissances du monde et qui dessine un petit peu de l'avenir du monde. Et là, je suis dans une mystérieuse. Voilà, je viens de retrouver ma mère et je dois lui amener des objets parce que voilà, elle a l'impression que, je vais dire, tout ça flirte avec le diable, etc. Quoi. Voilà, quoi. Ouais, je l'ai. Voilà, oui. Le automode Kensei n'a pas été très gentil avec toi. Alors, est-ce qu'il y a ici une sphère que je pourrais utiliser et les donner à ma mère? Ah, là. An armillary sphere. Perfect. That will save me some time. I only hope that he isn't going to realize it right away. Okay. Bon, bah ça c'est fait. On va aller dans le bureau de Mortimer, ou du moins dans sa pièce secrète. Tant que ça charge, finalement, voilà, je pensais que ça prendrait peut-être plus de temps de trouver tous ces objets-là. Temps de chargement sont un peu longs dans cet épisode 3. Alors, c'est vrai que j'avais aussi une sphère ici en plein milieu en haut. Là. Alors le mécanisme, je l'ai déjà ouvert. Donc là, c'est pour trouver les clous cachés dans son bureau. Et puis après, il faudra la salle de la tour. Je sais plus du tout où c'était ça par contre. Comment est-ce qu'on fait encore pour ouvrir ça? Le mécanisme est ici. C'est un jeu de patience et d'enquête. Ouais. Et d'énigmes aussi. C'est un peu en mode Agatha Christie, c'est un huis clos, tu vois, voilà. Sauf que là, ça flirte avec l'occultisme. Totalement. 1191 pour la pièce secrète. J'avais réussi à rentrer, j'ai pas réussi à sortir. 9 1 If I remember correctly, the code was 1191. Allez, abaissez de la manette, on y va. OK. Et c'est un jeu qui a plusieurs histoires possibles en fonction de ce que tu réponds aux gens, en fonction de l'orientation que tu donnes à ton personnage, etc. C'est vraiment très sympa.
Alors là, je dois trouver des clous. J'avais déjà été ici, hein. Donc je vais pas tout refouiller. Voilà des clous. There. Those are the nails I was looking for. Analyser les clous tant qu'on y est. I noticed they were old and rusty, but I hadn't noticed these traces of. Could that be blood? Is it really the relic of the Holy Cross? I can hardly believe it. Ouais, j'avais pensé que ces clous venaient de la croix qui avait servi à la crucifixion du Christ. Alors, il me manque plus que la Bible à aller chercher. Je ne sais plus comment on accède au dernier étage. All right, come on, let's get out of here. 6466, if I remember correctly. Donc là, la dernière fois, j'étais resté bloqué. Mais là, évidemment, je connais déjà le code, ça m'a ouvert tout de suite. Ah oui, là à fond. Là c'est voilà, à fond. Ouais. Mais voilà, c'est partie de l'histoire et c'est ça qui est sympa aussi, quoi, tu vois. Couloir du premier étage. Comment est-ce qu'on accède à la tour? Ça. À chambre de la tour. Ah mais c'est jamais, c'est juste là. Voilà. Ah mais oui. Ah Louis, glad you're here. Oh là. Blasted. He's gonna... Ok, alors c'est George Washington, évidemment. Alors l'élixir d'or pour me soigner, c'est la touche 2. Talk about my mother. Come and see what I've found. There are pieces of paper in the ashes of the chimney. Someone ah, c'est un peu sombre. C'était comment ça? Incredible. He doesn't seem to want to speak to me about what happened between my mother and the Hillsborough sisters. Show me a little. Look. It's possible to distinguish two different writing styles. Hmm. The rest of the correspondence between my mother and Emma. Someone tried to burn an exchange of messages. Sorry pour la lumière, mais there must be more. Shit. What on earth is he doing? Alors, au George Washington, il est sensible à quoi? Enfin, je sais pas du tout au fait, je connais pas du tout. Alors soit je manipule, soit je fais diversion, on va essayer de faire diversion. Ah, I see. I know what it's about. Do you know who was doing their communicating in this room? Yes, but of course we must keep it to ourselves because it is still a sensitive matter. Volner and Elizabeth had an affair. Volner hinted that he found a way to remain discreet about it. I admit it is ingenious. Well, I would never have guessed. Delighted to have helped, but I still have to find my mother. Of course. We shall see each other later in that case. Wasted enough time. The Bible. Ok, bah désolé. Ah voilà, George Washington est là. On va aller lui parler, hein. Hey, look. There. Hmm. No, I don't see anything. Come, Louis, look. Someone's clearly drawn a 4 in the dust. I have a clue. I better take the Bible before he works his way back to it. Okay. Ça, c'était la Bible. The Bible's still there. Et j'ai tout.
chest with the occult symbol representing air. Alors là, j'ouvre un coffre pour avoir plus de points. Ok, on va retourner dans la crypte, quitter cette chambre un peu sombre. Salut Alpha. Ben voilà Alpha, j'ai récupéré. J'espère que tu vas bien. J'ai récupéré tous les objets dont ma mère avait besoin. On va pouvoir ainsi descendre et retourner à la crypte. Alors j'ai fait vite. C'est vrai que j'ai pas fait le tour des chambres, j'ai pas fait le tour des personnes. C'est vraiment de faire ça au plus vite. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, il y a une pièce ici. Bon, ici, c'est un peu plus éclairé. Faire à chaque fois dans cette ouais, oui, à mon avis j'aurais pu y aller beaucoup plus simplement, je pense. Mais bon. Voilà. Alors évidemment, il faut qu'on s'attende à un moment à être frustré et devoir attendre la sortie du prochain épisode, l'épisode 4, pour avoir la suite évidemment. Donc n'attendez pas tant sur YouTube que sur Twitch à avoir la solution de tout rapidement. Je me demande même... Bon, ça c'est à confirmer. Je me demande même si le fait de lui ramener tous les objets et de commencer à ouvrir le truc, ça ne va pas être là. Je me perds dans ce labyrinthe. La fin de cet épisode, ça me paraîtrait un peu court quand même. Bon, mais hier j'ai pas mal joué aussi. A voir, à voir. Elle est toujours là. So, good. You've managed to gather all the keys. Yes, that's right. I have everything. What should I start with? Place the Clement III cross on the console. Then you have to put the nails on the disc of the door. What hole should I put the nails in? Well, I can't really advise you there. Because I haven't exactly made the best choices myself. All I can say is that you have to insert one to choose a town, one to choose a chapter, and one to choose a verse. Those are Roman numerals on the disc. Wow, ça va être compliqué. Il va falloir réfléchir aussi ça. Exactement, Kensei, oui, j'ai pensé aussi. Après non, elle a juste voulu ouvrir ceci. Et elle s'est coincée la main, visiblement. What theme did you start with? As the fresco shows the birth of Christ, I placed one nail in Bethlehem, one in chapter 2, and one in verse 6. The iris opened a little. I thought it was normal. Behind the aperture of the iris, there is a duct in which I put my hand. I felt something like a valve at the bottom. I thought by turning it the door would open, or the iris would open completely, or something else would happen. Instead, I felt something like an axe cut off my hand.
I really thought it was the end of me. What did you do then? Well, although I had made some unfortunate choices, I was lucky in that Mortimer was well stocked with drugs. I raided his supplies of medicine. Ok, là je vais avoir besoin de vous. Go ahead, impress me. I'll shut up and let you concentrate. Bon, alors. Je vais devoir placer ici la croix. Ça c'est fait. Et maintenant les clous. Je dois choisir une thématique, puis insérer les clous. This exegesis contains comments from Judas on the different Gospels. It only contains certain chapters and verses, and the chapters are indicated by Roman numerals. The lexicon refers to different chapters and verses from the exegesis of Judas. Bon, sur quel thème? Oh là là là, ça va être compliqué. Hein. Qu'est-ce que ça va être compliqué ce truc? The cycle of the moons has nothing to do with what I'm doing right now. Ouais, il y a trop de choix. Alors effectivement, ici, ça représente bien la nativité. Ça me paraît évident. Mais le problème, c'est qu'elle était partie sur la nativité. Donc la naissance. Chapter 2, verse 6. Jesus was born of Mary and Joseph on the 22nd of Tavith at midnight, 3762, in the village of Bethlehem. Chapter 2. Verse 6. And so it was that while they were there, the days were accomplished that she should be delivered of a child. And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. Alors, ce que je propose, hein. Non, on va continuer ici. Je ferai un épisode The Council. Je ferai un épisode. Je commencerai l'épisode quand on aura trouvé sur YouTube. Bon. Ouais, un peu pompeux, ouais. Alors, le 22, Tevet. Ouais, ça correspond à rien. 37, 62. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et bien là, je peux vous assurer. On va analyser la fresque. La fresque clairement montre la naissance de Christ. Louis, I can assure you that that is not the solution to this enigma. This fresco's only purpose is to mislead. I know that now. Please. Focus on another theme about Christ. We'll have to trust her. Bon, si ma mère lui a dit c'est que c'est le cas, on va essayer d'analyser la fresque. Yes, it's definitely a representation of the birth of Christ, but some of the details have flaked away. I can't see any other clues. One thing is for sure,
This enigma deals with the life of Jesus, like my mother said. Pas remarqué les détails ici. You could see that the paint has come off in parts. Difficult to see what was there, but I can distinguish the letters N-R-I. Nothing more. Alors je sais que les sigles N-R-I, c'était... Il y avait normalement, il y a un I de, devant. Inri, c'est Jesus Natum, roi des Juifs, c'est Jésus de Nazareth. Non, Jesus... Enfin bref, je vais pas commencer en latin. Je pense que c'était ce qu'il y avait à la crucifixion. Je pense, hein, de tête. Sur la croix. Je vais comprendre les sigles NRI ici. Voilà, c'était ça qu'elle sait. Nazarenus Rex Iudorum. These initials stand for Jesus Nazarenus Rex. This is the inscription which appears on the cross at the crucifixion of Jesus. Okay. Donc, ça serait la crucifixion en fait ici. Le thème. Mortimer deliberately set a trap by showing the birth of Christ. Then maybe the solution is the contrary. The death of Christ in that case? C'est la crucifixion alors, le thème. Je vais analyser l'ensemble de la porte. It looks like there are three types of inscriptions. Donc ça sera en 33 et il va falloir traduire. Oui, je commence à comprendre un petit peu. Le Christ est mort en 33, donc... Et j'ai ici, en consultant les notes, le 1er avril 33 ou le 26 mars 33. Et je pense que j'aurai ici des choses, voilà. Ok, on va chercher un fonctionnement, on va essayer de comprendre. Il y a trois styles de writing et j'ai trois nails. Il doit y avoir un link. I must surely put in one nail per category. Ok, donc ça on le savait. Je vais lire les inscriptions. Clearly, we have names of towns, Arabian numerals and Roman numerals. Sur le Golgotha qu'il a été crucifié. These towns have one thing in common. They're all related to the life and death of Jesus. For example, Jordan is the place of the baptism of Christ. Ah, c'était le Jourdain. Ok. On va aller voir dans le bouquin ce qu'il propose. Je sais toujours pas à quoi elle va me servir à la sphère. Salut Molly. Molly, bienvenue à toi. Chapter 19, verse 17. Jesus was crucified on the 8th of Nisan, 3793, in a place near Jerusalem. The Romans put a crown of thorns on his head. Chapitre 19, verset 17. Chapter 19, verse 17. And he, bearing his cross, went forth into a place called the place of a skull, which is called in the Hebrew Golgotha, where they crucified him, and two others with him, on either side. And Jesus in the midst. Oui, Bolly, hein. Je le suis depuis le début. Donc à chaque épisode, je stream dessus. C'est super comme jeu. Ok. Alors on va aller voir Golgotha. Le problème de Golgotha, c'est pas une ville, c'est un lieu à Jérusalem, je crois. Je vois pas à quoi ça m'aide ici, au fait. Alors, ici, j'ai bien quelque chose. Le 8... 8 Nissan 37-89. Donc, c'est le 8 avril 29. Ou le 6 Rajab, moins 611. Mais qu'est-ce que je fais avec ça?
Non, pardon, c'est le 8 Nissan 3793. Donc c'est le 26 mars 33 que le Christ a été crucifié. Et c'est l'année 7 Chaban moins 607. Pour les correspondances au niveau du calendrier. Ça serait donc si simple. The cycle of the moons has nothing to do with what I'm doing right now. Écoutez, on va placer les clous, hein, je sais pas. Donc la ville c'est Golgotha. Le chapitre c'est le 19. Et le verset c'est le 17. Well done, Louis. I hadn't seen those other wheels. Try connecting the theme to see if it goes all the way. There must surely be a connection between the wheels. Alors, la roue des icônes. Different icons on this wheel, but it looks like some of them can't be connected to the other wheels. Voilà, je vais devoir reconnaître les icônes, ça va me coûter tous mes points d'effort. Hein. Mother, what do you think? As I told you, I didn't get that far. Nevertheless, these icons do represent moments in the life of Christ. Ok, ça correspond à des moments de la vie du Christ. La crucifixion, c'est la couronne d'épines. Merci Kensei pour tes infos. Parce que là, il jouait. Bon, analyser le nombre d'icônes, ça je peux le faire. C'est difficulté zéro. Given the difference between the number of icons and the number of towns, I think that only one path connects all the wheels with one another. Let's try to connect the theme I've chosen with the rest. Ok. Ouais, ça va être ok. En fait, il va falloir que... Ah oui, donc... Que je place au bon endroit à chaque fois. Il y a le baptême et tout ça. Ok, ça, donc ça va être facile. Alors, au niveau des dates... Le 26 mars. 1er avril. Ok, ça va être facile aussi. Donc, en fait, il va falloir appliquer les icônes... Ces trous-là en fonction des bonnes... Des bons lieux dans la vie du Christ. Pareil pour les dates, on a le 26 mars, donc ça devrait être facile aussi. This wheel contains several symbols made up of one or two figures and one letter. The highest figure does not exceed 31, and each Ok. letter corresponds to a month of a year. A for April and M for March. I think these symbols must represent a specific date. Et la roue des lunes, alors là par contre. Ça va être plus compliqué. This wheel represents the different moons. In the occult sciences, we represent the full moon by an X. As for the dark moon, called the new moon, in cults, well, it's often associated with something harmful. Je crois que les lunes, je vais devoir les analyser. The totally black moon corresponds to the new moon, so. Going clockwise, we have the waning crescent, the last quarter, the waning gibbous, the full moon, the waxing gibbous, the first quarter, and lastly, the waxing crescent. Ok, là par contre j'ai rien compris. Look at this. There are notches between each of the wheels. So, I have to link the name of the town from the theme I've chosen to an icon. Then, to a date, and finally, the date to the moon.
J'ai rien pour pouvoir tourner ce truc, au fait. Je peux pas le faire? Comment est-ce que j'aligne? Je vais pas mettre ma main quand même. Ah non, les roues bougent quand même ici. Ok. Tourner la roue des icônes. Alors, le 26 mars, c'est la crucifixion sous le Golgotha. Et la naissance est à Nazareth. Ça, c'est la naissance, je pense. Ah, on était pas mal, je pense. Ah non, c'est à Bethléem, la naissance. Oui, la crèche à Bethléem. C'est quoi le symbole de la crucifixion? Oh là 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 là. See what combination corresponds to the chosen theme. Le problème, c'est que en fait il me manque des éléments pour pouvoir avoir des compétences gratuites. Alors, étudier la sphère. The moon is entirely in the shadow. Then the shadow moves from west to east, meaning left to right, and goes through the following states: waxing crescents, first quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous. Last quarter, waning crescent, and the cycle starts over with the full shadowed new moon. Ah, cycle lunaire. 7 Chaban 607. 7th of Chaban, 607, first quarter. C'est le premier quartier, ça c'est sûr. Ok, donc c'est le premier quartier. The moon shadow moves from west to east. During new moon, the moon is entirely in the shadow. Then, the shadow moves from west to east, meaning left to right, and goes through the following states: de gauche à droite. First quarter, waxing gibbous, full moon, waning gibbous, last quarter, waning crescent, and the cycle starts over with the full shadowed new moon. Ok. Je crois que j'ai compris. Et se déplace de gauche à droite. On est d'accord. Donc le premier. Je pense que c'est ça, je suis pas sûr. Le premier
premier quartier de la Lune, je vais aller voir sur internet. Ça, c'est même pas le premier quartier, c'est le premier croissant, ça. Let's see what combination corresponds to the chosen theme. Moi, je mettrais ça. Mais je vais en avoir le cœur net. Il faut absolument que je trouve de quoi déduire ces choses-là. Au pire, j'ai une deuxième main. Non, il faut que je trouve de quoi déduire. Alors, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais continuer sur Twitch. Je m'arrête sur YouTube et sur YouTube, je reprendrai quand j'aurai découvert juste au moment d'actionner le mécanisme. Merci à ceux qui ont suivi la vidéo sur YouTube. Ok, alors il faut que je trouve absolument quelque part de quoi. Voilà, il faut que je trouve. Allez. Des petits bonus pour pouvoir déduire. Parce que. C'est important et je veux le réussir, ça. Je pense que je suis pas mauvais. Mais j'en sais rien en fait. J'ai un doute sur la lune. Donc il faut que je me balade. Et que je trouve des... Que je farme un peu des matériaux, on va dire. Y a pas le choix. Bon, ça va pas être la partie la plus passionnante du jeu là. Mais j'ai vraiment pas envie de me planter. Donc on va faire le tour des pièces jusqu'au bout du monde s'il le faut. C'est pas des croix de Malte dont j'ai besoin, c'est de la réglisse. Golden elixir. On a un élixir d'or. C'est bien, mais c'est toujours pas ça que je veux. La salle du colloque, j'y ai déjà été. Je pense pas que je vais trouver d'autres choses. Et puis après, on saura. Ah, ici. Oh la merde. Non, c'est encore élixir d'or. Ah là là. C'est vraiment pas facile. Dans ma chambre, dans la chambre de certaines personnes. Ouais, alors ça c'est là où est morte la fille du vice-président américain. Une scène de crime un peu particulière. J'avais déjà fouillé tout ça. Je sais pas dans quelle mesure ça ripop ou pas. Parce que le premier quartier de lune... Ouais, ça ressemble bien à ce que j'ai mis quand je regarde sur Google.
Est-ce que chez Washington, il n'y a pas des trucs? Quel serait un jeu avec Jésus, etc. sans un patagramme? Exactement, ouais. Je suis désolé pour ce tweet, je vais vous faire subir ça, mais... J'ai vraiment pas le choix. Je veux pas me tromper. Le pire, c'est que je pense être sûr de moi. Je pense avoir fait tous les rapprochements possibles, mais... On va arriver à ma chambre. Ah, le cardinal, tiens. Ah, ben, le cardinal est dans sa chambre, tiens. Une clé à trois cercles. J'avais vu ça quelque part. On va aller parler au cardinal. I have no time to lose, so I might as well not bother him. Ok. Ici. Great, honey. Ah, de la gelée royale, c'est, ça me rajoute des points d'effort, ça, non? Ouais, ça sera pas assez. Élixir d'or, inventaire plein. Je crois que j'ai jamais fouillé sa chambre en plus à lui. Amber. De l'ambre. Ça me rajoute un point d'effort, mais vide. My dear Giuseppe, poor health forbids me from joining you. Please thank Sir Gregory for his invitation. Ok. I have no time to lose, so I might as well not bother him. Hmm, comment le diable. Non, il y avait une série de coffres parfois qui offrent pas mal de bonus d'ailleurs. Mais je sais plus où c'était celui-là. Bon, alors ça c'est ma chambre. Est-ce que dans ma chambre... Inferno by Dante. Abandon hope, all ye who enter here. Lectures Mortimer is giving to his guests. Very jolly. Ah non, en fait, tout ce que j'ai déjà fouillé. Dear Monsieur de Richet, please excuse me, but. Ouais, j'ai déjà. Ouais, tout ça, ça fait déjà partie. Ah, ici. Ouais, gelée royale. Bon, ça me rajoute 2 points d'effort, c'est déjà pas mal. Pièce de collection. Et ici. Rien. Il t'en valait 5, ouais, ouais je pense. Ouais. Ouais, je vais tout fouiller, hein. Je veux vraiment être sûr de ce que je vais faire. Ici, c'est chez qui là? T'es toujours chez moi là? Ah non, c'est la chambre du duc. Que j'ai déjà fouillé aussi. Oui, oui, c'était un minimum, ouais, je sais qu'il y avait... En fait, ça dépend des compétences que j'ai. Ici, il y a quelque chose. Ouais, mais c'est encore de... C'est quoi de Malte, hein, c'est pour découvrir les immunités et les vulnérabilités des gens. Mais ça, je l'utilise jamais vu que j'ai tout noté à chaque fois. Ah non, ici, ça c'est les... C'est des bouquins.
Pièce de collection, non. Alors la chambre de la duchesse. Je l'ai déjà fouillé cette chambre là. Ah ici. Un double cercle. Oh putain merde. Écoutez, je vais le faire. Il y a peut-être des choses intéressantes dedans. Gregory, thank you for the information. I've managed to find out about the names you gave me. George Washington is a man you can trust. In spite of his obvious talent for politics, he has remained upright and honest. Erreur fatale. As you may well know, he's right. Ah, j'ai de l'eau de mélisse. Donc il y aura, j'aurai un truc gratuit. Ça sera pour la lune le truc gratuit. Parce que la... Ah, ou le symbole aussi. J'aimerais bien avoir une deuxième d'eau de mélisse. Ah, ici, c'est quoi? Élixir d'or. Alors. J'ai chopé de l'eau de mélisse qui me permet d'avoir une compétence, une utilisation gratuite de... une action gratuite. Qui ne demande pas d'effort, tu vois. Donc ça c'est bien. Je suis sûr de la date. J'aimerais bien avoir aussi, à mon avis, c'est la couronne d'épines, c'est la crucifixion, mais ça serait bête, hein. Tiens, super sombre aujourd'hui. Ah, le duc espagnol à qui on voulait vendre, que j'ai fait chanter. God damn it, Doriche. Are you joking or what? You sell me pipe dreams about Mortimer's project, and a few hours later, one of your allies completely breaks down. Is this what Mortimer's side is all about? What am I going to do now? Oh, there's no need to get on your high horse. We have both had our share of little surprises. You didn't warn me that you were going to declare war, now did you? Yes. No, but I... No one could have predicted that Peru would react like that. Now what's done is done. It makes no difference to us. What can I do for you? I'm dreaming. My mother was right. He's not going to tell me one word about what happened to Emily. To tell you the truth, I'm in search of an armillary sphere. You wouldn't know where I can find it, would you? Well, well. So you do have a passion for astronomy. Qu'est-ce qu'il raconte? Von Wollner has already bored me quite enough with all of his endless stories. You ought to concentrate, Louis. Politics is an art that requires all one's attention. Refrain from spreading yourself too thin and leave stargazing to the poets. What can I say? I'm only... Ask Wollner. I'm sure he must have it among his effects. Perfect. Thank you, my Lord Duke. Leave me now. See you later. Ouais. Je suis pas convaincu. Fait qu'il y a la... Ouais, la chambre de Wollner, je l'ai déjà fouillée. Hein. On va aller voir le petit salon. Peut-être des choses encore ici. J'y suis passé un peu rapidement tout à l'heure. Bon, alors je prends le risque. Je
suis quasi certain que la crucifixion, c'est le... J'ai aucun doute là-dessus, quand même. Je suis quasi certain que la crucifixion... C'est le symbole avec les épines. Et la couronne d'épines. Est-ce que la couronne d'épines... Ça représenterait quel autre moment dans la vie du Christ? J'aimerais bien revenir à la salle à manger, peut-être que je trouverai des choses là. Il y a le chemin de croix aussi avec la couronne d'épines. Voilà, je pourrais déverrouiller, mais je vais pas le faire. Ici. Ah bah, triple sec, j'ai pas vu celle-là. Utiliser la clé. Ah, oh, génial. C'est pas quatre églises, ça? Ah, oh, regardez, non, c'est bon. Non, c'est les efforts, là. Ah, oh, GG. Hop. Alors évidemment, ça me donne des malus de le faire autant. Ah bah c'est nickel ça. On va pouvoir avoir un gratuit. Ok, super, bah voilà. Bon, ça va quand même la peine de faire tout ce petit tour. Ok. On y retourne. Et merci à Black Bonnie pour son follow. Bienvenue sur la chaîne Asgard. N'hésite pas à aller sur YouTube et sur Discord. C'est gentil à toi. Alors. La date, ça, j'en suis sûr. C'est noté 26 mars. On y retourne. Alors, Kensei. Ouais, ça correspond à ce que j'avais en tête. Ok. Donc voilà, bonjour YouTube, nouvel épisode de The Council. J'ai été me ravitailler en eau de... En différents matériaux, voilà, pour pouvoir être certain que j'allais bien orienter les différents symboles, les parties de la lune et les dates. On va analyser, alors je suis quasi certain, le 26 mars, ça c'est bon, c'est bien sous le Golgotha. Je suis quasi certain pour la couronne d'épines aussi, mais on va pouvoir le vérifier. Oui, de la gelée aussi. J'ai récupéré, et voilà, le premier quartier de lune, ça je vous avoue, avec la gauche ou la droite, hein. Je préfère toujours en être certain. Donc on... Je vais essayer de déduire quelle lune utiliser. Alors pour ça, ça va me coûter 5. Je vais utiliser une gelée. Enfin une gelée, une... Voilà. On va déduire quelle lune utiliser. According to the architect's notes in the armillary sphere, the moon during the crucifixion was a first quarter. That's the one with its left half in the light. C'est celle qui a sa moitié gauche dans la lumière.
en regardant le nord. Ok, moitié gauche dans la lumière. On tournera la roue, je vais regarder pour l'icône. Ok, couronne d'épines, ça c'était bien. Donc si on est logique. C'est celle-là. Ça, c'est pas le premier quartier, donc je me serais trompé, je pense. Mais le problème, ouais, on est bien à gauche ici. Il parlait de croissant, non? Je peux revoir. Hein. Je peux revoir. According to the architect's notes in the armillary sphere, the moon during the crucifixion was a first quarter. That's the one with its left half in the light. Il parle bien de la moitié. Moi, je pense que je vais aller placer ma main. Et au pire, comme tu disais, Kensei, au pire, j'en ai deux. Demain. Je m'approche. J'attends juste ta réaction, Kensei. Ouais, voilà. Ok, bah alors c'est bon. Mettre sa main. I can feel the lever at the bottom. Good luck. C'est moi ou c'est pas bien aligné? Non, écoutez, j'ai un doute. Oui, je sais, voilà, je fais durer le suspense. Ouais, non. Non, non, non. C'est moi qui fais n'importe quoi. C'était très bien aligné, c'est juste un effet d'optique, mais je me suis dit, tiens, c'était pas totalement en face. Bon, allez, on y va. Comment je fais durer le suspense? Allez, hop. On met la main. I can feel the lever at the bottom. Good luck. Ah, Black Bonnie, oui, ce jeu est génial, j'ai vu que tu étais sur Elite. Voilà, je viens de voir ton... J'étais tellement très concentré, je viens de voir ton message. Oui, je suis sur Elite Dangerous aussi, il y a beaucoup de... Voilà, il y a toute une communauté aussi sur ma communauté. Autour de ça, donc n'hésite pas à passer sur Discord, nous dire bonjour. Tirez le levier, on y va. Eh ben, c'était pas ça. Oh, bordel. Ça, c'est horrible. C'était pas ça du tout. Mais qu'est-ce que j'ai loupé? Oh là là. Ah, ça, je serais curieux d'avoir de quelques personnes qui regardent la vidéo sur YouTube que vous m'expliquiez. Qu'est-ce que j'ai loupé? Oh là là. Ah bah merde. Oh, les dates, c'est bien marqué 26 mars. Ah, c'est affreux. C'est affreux parce qu'en plus c'est la fin de l'épisode, donc j'ai tout réussi sauf cette énigme-là. Bon, mais du coup cet épisode-ci aurait été très très court sur The Council sur YouTube. J'avais symbole, lieu, date et lune.
Ouais, qu'est-ce que j'ai pu louper? Symbole, c'était bien la couronne d'épines. Lieu, c'était bien le Golgotha. La date, on sait ce que c'était. C'était le 26 mars. Et les lunes, fallait bien de moitié. Eh bien, qu'est-ce que c'est compliqué? Non, je pense que sur YouTube, voilà, je vais laisser l'épisode en entier. Vous me direz évidemment, pour ceux qui ont regardé jusqu'au bout, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. J'aurais hâte d'être à l'épisode 4 en tout cas. D'ici un mois ou deux, il sortira, je pense. Je tablerai plutôt sur 2 mois, donc autour de mi-septembre. C'est un jeu super exceptionnel, voilà. Mais donc je vais continuer le jeu avec un bras en moins. Et merde. Bon, Kensei, Black Bonnie et tous ceux qui sont restés, merci beaucoup. On se retrouve ce soir avec Luke Skill, mon ami Luke, pour No Man's Sky, tout simplement. Voilà, on va tester la mise à jour Next des multijoueurs. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode. À très bientôt.